L'anthropologie des techniques, la technologie culturelle n'était pas très, très bien partie. Et moi, j'étais rentré au CNRS avec un programme de technologie culturelle s'appuyant sur le structuralisme, sur l'anthropologie économique et sur le roi Gourand. Et là, c'était pas forcément bien parti. Je dois préciser que les hasards tiennent une part fondamentale. Moi, j'ai travaillé pendant toutes mes études, donc j'avais deux facs, puis il fallait bosser à mi-temps, fin fond d'un lycée à Bondy, en prenant le train. Et si j'avais eu le temps, j'aurais pu aller suivre les ateliers de M. Dumont. Mais il fallait lire des textes et il fallait être là le bonjour. Mais il fallait lire des textes. Et moi, j'avais simplement pas le temps. À la même époque, je finissais mon DEA ou DES, je sais pas quoi, enfin mon Master 2 en économie, et j'avais pas le temps, mais peut-être que je serais devenu. Et c'est important parce que j'aurais pu entendre parler entendre une autre présentation sur l'analyse, enfin de description d'analyse, même de conception de ce que c'est que l'anthropologie. Il faut bien se remettre dans l'époque, en 1975, des gens de chez Dumont ou de Coppée, c'était des idéalistes. Et il n'y avait pas plus grosse insulte, des idéalistes. Hein? Nous, on savait tous que c'est pas la conscience des gens qui détermine leur existence, mais leur existence qui détermine leur conscience. Donc que tous on ait fait demi-tour 180 degrés, c'est une autre histoire. Mais voilà comment ça se situait. J'ai également, parce que je lisais énormément, ce qui n'est plus le cas du tout, maintenant j'ai trop de travail sur mes données, donc je n'ai pas le temps de lire, enfin beaucoup, mais je lisais énormément et j'étais notamment, je me suis rapproché un bon moment de l'ethnopsychiatrie de Georges Devreux. Ce n'est qu'une anecdote, mais elle est rigolote. Donc j'avais téléphoné à ce monsieur, parce qu'il fallait téléphoner pour aller à son séminaire, pour qu'il nous fasse une rapide évaluation psychique, quelque chose comme ça, que j'ai passé brillamment, parce qu'un type m'avait parlé du test avant. Donc il était très satisfait, très content de moi. Et donc je me vois encore lui téléphoner, bonjour monsieur, je vais suivre vos séminaires à l'école des hautes études, il me voit qu'il faut vous téléphoner. Je suis ethnologue de la France et je suis économiste. Et là, il me coupe la parole, il me dit « Tu me manques, vous n'êtes pas lacanien, tout est possible !» Donc je suis allé voir Devreux, mais au bout d'un an et demi, il prenait deux séminaires. Bon, d'abord, c'était bien sûr les séminaires de psychanalyse, c'est beaucoup plus drôle le samedi matin. Si ça pouvait être le samedi de 11h à minuit, c'est encore plus drôle. Et donc pendant une bonne année au moins, je suis allé au séminaire de Devreux, qui était un endroit extraordinaire, parce que l'homme était extraordinaire, immensément savant, immensément proche et généreux, mais je trouvais que ça me prenait trop, voilà, on va dire quelque chose comme ça. Donc j'ai arrêté, j'ai continué à lire de l'anthropologie, de l'ethnopsychiatrie, notamment ce texte fabuleux sur normal et anormal, dans lequel on explique que plus on s'approche des faits relevant de la psychologie, et plus on s'éloigne de ce relevant de la sociologie, et plus on s'éloigne de ce relevant de la sociologie, plus on s'éloigne de... Voilà. Ce qui me permet, quand je vois Tim Ingold nous faire de la technologie culturelle en lui parlant de sa relation personnelle avec un violoncelle, de dire que, ben oui, mais Devreux expliquait que c'était pas facile de passer du moi à tous. Et Lévi-Strauss, je n'ai vu qu'une fois dans ma vie Lévi-Strauss, parce que j'ai mis des années à ne plus avoir peur et à y aller. Et Lévi-Strauss m'avait dit, de toute façon, la technique, les technologues ne pourront jamais rendre compte du pizzicato du violoniste. Donc, bon courage à mon excellent camarade. Voilà. Donc les approches théoriques, hein, c'est la notion de système, le structuralisme certainement, et jusqu'à aujourd'hui, même si c'était très dur, et l'intérêt pour la matérialité. Je suis rentré au CNRS, l'avantage de ce terrain entre le CFRE de Leroy Gourand et la formation à la recherche anthropologique, c'est que j'ai vraiment appris mon métier. Je veux dire, en sortant de Guérande, je pouvais débarquer en Nouvelle-Guinée, je savais faire mon métier. Alors je ne sais pas par où ça passe, ni comment c'est, mais ça c'est une certitude absolue, et le contraire est bien entendu vrai.
Donc, je me suis retrouvé au CNRS avec un programme, une appli alors, difficile à appliquer. On croyait à la magie de la machine. Alors, j'étais allé voir, il y avait un informaticien à l'école des hautes études qui devait s'appeler Couturier. Alors, eux, ils traitaient par centaines de mille des actes notariés. Et alors là, il fallait rogner tout le temps. C'était, ah ouais, mais nous, notre programme, avec vos salines, là, ça va, mais les salines qui fut, un bout de propriété, un bout de terre, une saline, qui se coupe en deux, on y arrive. Mais alors, deux morceaux de saline qui fusionnent, on ne sait pas le faire. Donc, je me suis aperçu que l'informatique ne sortirait pas ça non plus. Ça rejoint le « on ne sait pas où chercher ». J'ai fait des analyses factorielles de correspondance qui sortaient des axes. Un problème statistique, une analyse statistique très fouillée sur 10, 15 ou 20, ou je ne sais pas combien de critères, voyait des corrélations non visibles à l'œil nu. Et alors à nous de savoir en sciences humaines, est-ce qu'elles font sens, est-ce qu'elles font pas sens. On ne savait vraiment pas où aller. Il y a aussi le fait que j'avais terminé, j'étais intéressé par l'histoire, j'aurais été ravi de savoir comment les pharmaciens se mariaient avec les notaires à Guérande ou dans la presqu'île de Guérande, mais je n'étais pas historien de formation. Donc je ne sais simplement pas où aller. Alors à cette époque-là, je suis allé à Laval, je me suis renseigné sur le. Je suis allé voir Seine-Balixis, je suis allé voir Maranda, je suis allé voir Salins-en-Anglure. Alors est-ce que j'irai là? Est-ce que j'irai chez les Bushmen du Kalahari? J'irai où? Puis aussi un copain, un bon copain, qui s'appelle Jean-Claude Gallet, qui me disait, qui se payait ma tête sur l'air de. Alors c'est pas trop dur et tout ça. J'en ai un peu marre. Alors ça va les changements de train, c'est pas trop fatigant. Enfin, bon. Ce qui veut dire que j'ai au fond moi-même quelque part, je pense que j'avais, malgré ma crainte et ma distance vis-à-vis de l'exotisme, je suis casanier. Ça devait avoir. Je pensais que pour moi que l'ethnologie, ça se passait quand même plutôt par là-bas que plutôt par ici. Et c'est beaucoup plus difficile par ici. Donc j'ai pu partir. Et j'ai pu partir grâce à Godelier, bien évidemment, parce que pour des raisons totalement non professionnelles, et je voyais toujours un type au séminaire de Godelier qui s'appelle Jean-Luc Laury. Bon, pour moi, c'était le gars qui était parti chez avec Godelier faire du terrain. Il faut imaginer ce que c'était quand Godelier, devant 80 personnes, expliquait qu'il avait ouvert un colimaçonnier sur lequel j'écris matin, midi et soir, et auquel je pense la nuit pour l'instant. J'ai ouvert un colimaçonnier, il y avait un garde à chaque coin de la porte, de l'immeuble, de la maison. Notamment quand il nous disait tous les enfants sont là, on leur a percé le nez, enfin le septum, on leur tire la tête en arrière et on leur dit. Vous pouvez baisser la tête, et après on leur dit, vos larmes sont tombées en même temps, à partir d'aujourd'hui, il n'y a plus de petits, il n'y a plus de grands, vous ne vous appellerez plus jamais par vos prénoms, par vos noms, vous vous appellerez co-initié, co-initié. Je dis ça parce que j'ai entendu les mêmes choses 20 ans plus tard. C'était quand même grandiose. Donc le Laury, je savais que c'était le gars qui bossait avec Godelier, ça c'était quand même formidable. Et on s'est découvert des. Pas des points communs, mais des intérêts tout à fait communs dans la vie, n'ayant aucun rapport avec l'anthropologie, et on est devenus très 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 amis. Et est-ce qu'on me l'a proposé? Est-ce que. Bon, officiellement, je suis parti chez les Barouillards. On devait y aller en 77, mais on était un peu rêveurs. Donc on s'était dit, tiens, on va faire du tourisme à Java, et puis on trouvera un bateau qui nous emmènera en Papouasie-Occidentale. On est rentré. En 78, en revanche, on a fini par avoir des visas de recherche. Et j'ai donc accompagné Laury et Godelier pour décrire le système technique. Hein. Le système technique, il faut en dire deux mots, même si on revient tout à l'heure sur l'anthropologie de la culture matérielle. Une technique forme système. Il y a un clou, il y a un marteau, il y a une énergie, il y a un mur. Bon, très bien. Il y a toutes les choses dites par Ingold qui font qu'on peut taper sur le clou au bon moment, ou au bon endroit, ou de la façon qu'il faut. Puis il y a des représentations culturelles. Comme on dit aux enfants maintenant, tu as payé pour tout le manche, pourquoi tu le prends par la tête, etc. Bon, ça c'est un système. Puis les techniques entre elles se renvoient les unes aux autres. Hein, pour fabriquer ce bureau, il y a de la menuiserie, il y a du travail d'abattage des bois, il y a de la colle, il y a du métal, etc. Soit dit au passage, l'analyse d'un système technique, c'est-à-dire de comment des techniques se renvoient les unes aux autres, par les matières premières, par les procédés, par certaines opérations, par les moyens élémentaires d'action sur la matière dont parlait le roi Gouran, personne n'a jamais essayé de faire une description systématique des moyens élémentaires d'action sur la matière, à part le roi Gouran dans ses bouquins. Mais on l'attend encore, on l'attend encore. Donc, les seules études de systèmes techniques qui montrent comment des blocs de techniques se renvoient les uns aux autres, c'est Bertrand Gille,
dans le La Pléiade sur l'histoire des techniques en 1968. Alors là, on voit que dans la métallurgie ou la sidérurgie, quand on améliore les pompes à vapeur, parce que les pompes à eau mues par la vapeur, alors on peut assécher les mines plus profondément, alors on a davantage de charbon, ou on a une qualité différente de fer, je dis n'importe quoi, et alors la sidérurgie se diffère. Là oui, mais le système technique des n'importe quoi, on ne l'a pas. Même nos amis archéologues. J'ai enseigné pendant 10 ans, 12 ans, à Paris 1, l'ethnologie générale aux archéologues. Par des hasards de la vie, je suis arrivé là. Bon. On dit toujours, mais toi tu fais dans l'os, toi tu fais dans le caillou, toi tu fais dans la sépulture, toi tu fais dans les trous de poteaux, toi tu fais dans les plans de village. Mais c'est dur, hein, le type qui dit. Des gens, ils ont ça comme technique lithique, ça comme poterie, ça comme ça. Et quels sont les points communs? Quelles sont les pensées? Quels sont les raisonnements éventuellement communs? Les raisonnements, c'est pas le mot qu'il faut dire. Qu'est-ce qu'il y a de commun derrière? Non, les systèmes, il n'y en a pas. Donc officiellement, j'allais décrire le système technique des hangars. Donc pendant plusieurs années, je me suis baladé en décrivant les maisons, les arcs et les flèches, les foyers, la façon de faire le feu, ça c'est la même partout, les capes d'écorce, les pagnes, les pièges à anguilles, les maisons, j'ai déjà dû le dire, les barrières de jardin, la façon d'ouvrir un jardin, de planter, tout ça, chez les barouillas et chez les hangars. Donc je suis parti en 78. Mais j'étais le technologue. Moi, j'étais pas là pour poser des questions sur les mythes, les rites ou la parenté. Du tout. Je faisais mon boulot de technologue. Je voulais comprendre la logique interne de ces systèmes techniques. Je suis allé chez les Longbarouillas, dans la vallée de la Lamarie. Donc, puis pendant que j'étais là en 78, donc là, je suis en train de passer à la façon dont j'ai changé de terrain, un type est venu voir Jean-Luc Lory et a dit, au fait, on est prêt à faire une mouka. C'est-à-dire la cérémonie du premier stade des initiations masculines, dont je vais quand même essayer de dire deux mots à un moment ou à un autre, on voit la faire en 79. Godelier avait déjà invité Yann Dunlop à filmer en 69 les 2, 3 et 4e stades des initiations masculines. Et là, il s'agissait de présenter le premier. Donc, il était tout à fait normal que j'y retourne en 79, plus ou moins comme photographe officiel ou un truc comme ça. Et en tout cas, pour décrire le peu de... Enfin, pas le peu, puisque je ne travaille plus que là-dessus, mais bon, pour décrire les actions matérielles pendant ce rituel. Le rituel a eu lieu en juin 79, et dès la fin, avant même la fin du mois, je savais que je ne travaillerais jamais chez les Barouillas, puisqu'il y avait déjà deux anthropologues, et je me suis sauvé. Je me suis sauvé chez les non-hangas pour comparer les techniques des hangas avec les techniques des gens de la vallée de la Lamarie. Je suis parti 15 jours, c'était ma première patrouille. Parce qu'en Nouvelle-Guinée, les pédiatres font des patrouilles, les flics font des patrouilles, les je sais pas quoi font des patrouilles, les anthropologues font des patrouilles. La première patrouille, et là c'est bien. Alors, pour moi, ça a clairement changé ma vie, hein. C'était une évidence absolue. Moi, j'avais probablement peur du noir, j'ai jamais été louveteau, j'ai jamais été scout, j'ai jamais été militaire. Mais je me baladais dans la forêt avec des gens dont le papa ou le grand-père était cannibale, à qui je confiais ma vie. Et bon, tout ça j'ai adoré, c'était absolument fabuleux. Donc j'ai fait ça après pendant plusieurs années. Donc j'avais déjà de quoi m'occuper à décrire les techniques les unes après les autres, que j'ai commencé à faire. Bon, il y a des dossiers dont je n'ai jamais rien fait, tels que le dossier sur les maisons, absolument jamais rien fait. Le dossier sur les pièges et la chasse, j'en ai jamais rien fait. Puis le dossier sur la cuisine, j'en ai jamais rien fait. J'aurai peut-être le temps un jour. Et ce qui est important, c'est qu'à l'époque, bien sûr, j'enquêtais aussi sur les initiations masculines, quand on a la chance de les avoir vues, et les avoir vues de près, en 79. Donc quand je débarquais dans un groupe, où il n'y a qu'une vague grammaire faite par un missionnaire de la Summer Institute of Linguistics, et que je disais aux gens, vous me raconteriez comment vous faisiez à l'imparfait les initiations? Et à un moment, le type disait, bon, puis alors là, on va chercher des feuilles qui piquent. Je dis, non, on ne va pas chercher des feuilles qui piquent. On va chercher des orties de cette couleur-là, et puis on ne les tient pas comme ça, on les a dans les deux mains, puis on fait, tu sais. Donc ça a débloqué des choses. De là, m'a raconté à un inconnu avec lequel on bosse depuis 15 jours les détails d'une homosexualité ritualisée, jamais. Mais au moins, j'ai obtenu comme ça des données. Ce que j'étais en train de dire, c'est que pendant des années, j'ai fait mon petit boulot de technologue, mon grand boulot de technologue, sans jamais pouvoir faire le lien avec l'organisation sociale ou le reste de le fonctionnement de la société. Jamais, 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 jamais j'ai fait.
On n'a pas pu échapper à la coopération, à la fabrication, dans la construction des jardins, sauf quand on tombe dans un groupe où justement il y a zéro coopération et c'est un des traits fondamentaux qu'on ne peut d'ailleurs pas, expliquer. Pourquoi les barouillas passent leur temps à coopérer, pourquoi les encavés ne coopèrent jamais, sauf dans la guerre, les initiations et les rites mortuaires? Moi, je ne peux pas vous répondre. Sûrement un missionnaire, quelqu'un qui dira, mais c'est parce qu'ils sont, ils sont moins nombreux dans la forêt, donc ils doivent bosser avec leurs femmes, ils n'ont pas le temps de bosser avec les autres. Enfin, je ne sais pas, il y a sûrement une explication, mais je ne la connais pas. Et là, j'ai donc changé de sujet. Donc pendant. Entre-temps, j'ai divorcé, ce qui explique peut-être cela aussi. Donc j'étais tout à fait, non pas libre, parce que je n'étais pas particulièrement joyeux, mais bon. Et je me suis baladé pendant plusieurs années, 2 ou 3 mois ou 4 mois par an, d'un groupe à l'autre, passé d'un groupe à l'autre. C'est là que je faisais le vocabulaire. Alors je ne faisais pas le vocabulaire pour rien du tout. Alors bien sûr, j'avais lu Le Ménage Charru, d'Audricourt, on est bien d'accord, hein, avec les cartes de vocabulaire et tout ça. La répartition des mots, c'est tout à fait important. Et j'ai fait ça parce qu'un de mes amis de l'époque, collègue, Claude Lefébure, avait écrit un merveilleux article sur dans la revue Technique et Culture, et dans des premiers numéros même, je crois, qui s'appelait, qui portait sur le vocabulaire, le lexique, le vocabulaire du métier à tisser vertical berbère. Et là, il rentrait dans la tête des gens, puisqu'il avait avancé une hypothèse extraordinaire, remarquant, constatant qu'il y avait un parallélisme entre la notion de motivation linguistique et la notion de tendance chez le roi Gouran. C'était génial. Donc, à défaut de rentrer dans la tête des gens, on allait, par le vocabulaire, rentrer dans la tête des gens. Bon, donc j'ai recueilli du vocabulaire, mais en gros, ça donnait couper un bambou avec une lame de métal. Alors le mec disait bois qu'à la bois, bois qu'à la bois. Bien, moi, je suis un travailleur sérieux. Donc le soir, je vérifiais. J'ai au fait coupé un bambou creux avec une lame de métal, et le gars disait choupi choupi. C'est infernal. Ou on est linguiste et sérieux, et on peut faire ça. Parce que le vocabulaire, soleil, nez, poil, sourcil, oreille, bambou, allume-feu, et pointe, je sais pas quoi, charpente, divers pièces de charpente, ça va. Mais les verbes d'action technique, c'est l'enfer. J'ai dans mon bureau à Marseille une grosse boîte qui est une boîte de bière recoupée avec ça de long, enfin je sais pas, 900 fiches sur les verbes d'action technique chez les encavés. Qu'en ferais-je? Enfin bon, c'est absolument infernal. Et c'est là que se passe cet épisode où j'étais probablement au Musée de l'Homme, à la Société des Océanistes, et on se retrouve sur le quai du métro avec Monsieur Audricourt à la station Trocadéro. Salut le meunier, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que j'envisageais déjà? Peut-être je vais travailler sur les cochons, parce que les barouillas, vous êtes réveillés toutes les nuits par un cochon qui se gratte, mais ils en font à peu près rien. Donc c'est intéressant de savoir ce qu'ils font les cochons. Donc là, il m'a dit, donc, vous avez intérêt parce que dans la production des grands hommes de Godelier, il n'y a pas le mot cochon. Bon, d'accord, très bien, merci. Et vous faites quoi? Ah, oh, ben, je rentre de grandes patrouilles à pied pendant des mois et des mois. J'ai fait du vocabulaire technique dans 6 groupes comme ça, 8 groupes comme ci. Et là, il me dit, tout le monde sait que ça ne sert à rien. C'était une blague d'Audricourt. Et là, j'étais un peu découragé. Déjà, je savais que je n'étais pas foutu de faire répéter la même chose le soir en vérifiant mes notes et mes enregistrements. Et puis, si Audricourt disait en plus que ça ne servait à rien, ou alors j'ai pris prétexte. Mais en tout cas, j'ai laissé tomber. Donc là, on était quand même très. Moi, je n'étais pas bien dans l'anthropologie des techniques. J'ai vraiment versé des larmes sur des chaînes opératoires, en attendant que ça sorte, quoi. Alors, j'ai des collègues qui continuent à faire ça. Enfin, à la marge de remarquables aux travaux. Mais tu vois quand même, on dirait un rhizome à la Deleuze, c'est pas pour rien. Quelle est l'action technique qui ne se traduit pas par un rhizome à la Deleuze si tu ne rentres pas dans le détail? Enfin bon. Donc là, on n'allait pas faire sortir, on n'allait pas faire jaillir des structures. Et puis, est-ce que c'était déjà. Et puis. Oui. Alors là, je cherchais un terrain. Je cherchais un terrain. Donc je parlais de la part du hasard. Un jour, le même camarade qui était parti avec Godelier sur le terrain, Jean-Luc Lahiry, m'a dit, parce que Kiva m'avait trouvé une bourse. Donc j'avais une bourse du ministère de l'Environnement qui venait de naître. Donc j'ai dû avoir, je m'en souviens, 11 000 francs, je ne sais pas combien ça fait, mais sur un an, ça ne faisait pas grand-chose. Mais j'étais très content d'être payé. Là, il y avait une histoire à ce propos-là.
Ah non, j'ai eu deux trucs. La première, c'est formidable, c'est que c'était l'année après moi, il y avait Anne-Christine Taylor, Philippe Descola et d'autres à l'AFRA. Et la responsable de l'AFRA m'avait dit, ils sont tellement pas bons, ils sont tellement pas bons qu'on va vous. Que c'est Lefebvre qui a eu la petite bourse de l'école des hautes études la première l'an dernier, on va vous la redonner à vous, parce que franchement, ils sont pas bons. Moi, j'ai dit à Philippe, j'ai dit à Anne-Christine, j'ai dit à la dame en question, donc tout le monde se marre, il n'y a absolument aucun. Et après, Kiva m'a eu un petit contrat avec le ministère de l'Environnement pour continuer à travailler sur Guérande. Et nous, on avait, Godelier et Barraud avaient fondé le groupe Écologie et Sciences Humaines de la Maison des Sciences de l'Homme, où il y avait des spécialistes des Antilles, des spécialistes des pasteurs nomades, des spécialistes des chasseurs-cueilleurs, ou un ou deux spécialistes chasseurs-cueilleurs, eux sur la Nouvelle-Guinée et moi tout seul sur Guérande. Donc on se voyait dans le bureau, puis j'étais déjà devenu très copain avec Laurie. Et un jour, il me dit, mais... Après-demain, il y a une archéologue qui a lu les Salines de l'Ouest et qui veut te parler. Bon, on est devenus très amis, elle est venue avec moi en Nouvelle-Guinée, et c'est elle qui plus tard, ou un an et demi ou deux ans plus tard, m'a dit, mais quand même, il faudrait réintroduire de l'ethnologie, puisque Garanger prenait sa retraite, il faut introduire de l'ethnologie à Paris 1. Et donc, tout en étant chercheur au CNRS, je me suis retrouvé avec 3 heures d'ethnologie générale pour archéologues, avec un séminaire qui s'appelait Commun, qui s'appelait La culture matérielle, avec des bons copains. Et puis, j'avais des charges de cours à l'école des hautes études qui s'appelaient ethnologie des techniques. Donc ça faisait pas mal pour la semaine et je faisais tout ça dans les locaux de Paris 1. Donc c'est là, accessoirement, non pas mon étudiante, mais une étudiante était Pascale Baudemer qui, en 85, est venue me rejoindre en Nouvelle-Guinée. A laissé tomber l'écriture maya, et là, elle avait besoin de faire un terrain. Et depuis 2 ans, en 78, j'étais au nord des Ankavéanga. En 79, on est marché jusqu'à la mer pendant, je ne sais pas quoi, 21 jours, et on est remonté par les torrents. Ils étaient là-haut sur la colline, et c'était impénétrable, et on ne savait pas qui on allait trouver, donc on n'est pas monté. En 80, bon, j'ai tourné autour de ces gens-là. Le dernier groupe que je n'avais pas vu, c'était les Ankavéanga, chez lesquels je suis toujours arrivé à pied. Et quand je suis passé pour la première fois en 82, j'ai vu des gens dispersés dans la forêt avec des petits hameaux. Tout le monde était en panne, cape d'écorce, une collier de coquillages. Enfin, alors que chez les Barouillas, il y avait déjà des femmes qui portaient des... Les hommes pouvaient... Une année, tout le monde était en short. Des types étaient en short. L'année d'après, ils n'étaient pas en short. Ils étaient en costume local. La différence, c'est qu'on a des sous pour s'acheter du savon, on n'en a pas. Si on n'a pas de sous pour laver les shorts et les t-shirts, on se met en panne et en cap d'écorce. Et donc, j'ai mis les pieds sur... Je suis passé chez les Ankavés, qui sont simplement les gens, je ne le savais pas encore, mais les plus différents des Barouillas, avec l'idée de comparer. Donc j'ai mis des différences énormes. Donc je suis passé en 82, je suis repassé en 85, je suis allé faire un tour chez les futurs hommes à l'âge de pierre, on dira sûrement 2 mots. Et puis je suis reparti chez les Barouillas où il y avait Pascal, et en 87 on a fait 9 mois de terrain, un premier terrain de 9 mois chez les Ankavés. Alors côté comparatisme, c'est tout à fait merveilleux parce que les différences sont énormes et tranchées. C'est tous des gens qui sont apparentés. Les langues sont apparentées, mais des Barouillas les Ankavés, d'après la génétique et la glottochronologie, en donnant à la génétique et la glottochronologie le poids qu'on veut bien leur donner, c'est des gens qui ont arrêté de se marier il y a 1000 ans. Ils ne se connaissent pas. Les Barouillas ne connaissent pas les Ankavés. Et les Ankavés ne connaissent pas les Barouillas. Si vous allez chez les Barouillas encore aujourd'hui et que vous dites Ikundi, on dira c'est là qu'il y a Pierre et Pascal. Et à part mes deux guides, dont l'un des deux est mort, les gens ne connaissent pas le chemin. Hein. Et c'est des langues donc, qui sont non mutuellement intelligibles. Et la distance, c'est Wanenara, Marawaka, c'est un jour, Marawaka, Mala, ça fait 2, Mala, Andakombi, ça fait 3, Andakombi, la nuit, dans la brousse, ça fait 4, c'est 5 jours de marche. Mais entre les deux, les autres étaient cannibales, les Ankavés n'étaient pas cannibales. Ils l'ont été un jour, mais de mémoire d'homme, ils ne le sont pas. Ils ont des monstres cannibales qui se comportent comme des cannibales, on en parlera au moment de parler du sabbat des Lucioles.
Et ces gens qui sont à 5 jours de marche, qui n'ont pas la même langue, mais sont tous des rangas. Mais fondamentalement, les initiations, c'est les mêmes, avec d'énormes différences dont je parlerai tout à l'heure. Il y en a qui se marient par échange des sœurs. Les autres se marient avec un prix de la fiancée, une compensation matrimoniale. Si on dit aux Ankavés qu'on pourrait se marier en échangeant des femmes, ils disent oui, les cochons et les chiens feraient certainement ça. Ça fait un. Les Barouillas ont probablement le plus fort taux de suicide féminin au monde. 8 femmes sur 10, 8 femmes sur. Oui, attends, je dis pas de sottises quand même. Mais, non, 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 pas du tout, c'est 8 sur 100. C'est 8 ou, mais c'est plus que ça. C'est un taux. Là où les autres ont 3-0 avant, chez les Barouillas, c'est ça. Les Ankavés, suicide. Si quelqu'un avait une idée pareille, ce serait forcément une femme. Mais c'est tout. Pas de suicide. Coopération. Vous réveillez chez les Barouillas, vous voyez trois types qui montent avec. Avec le fan qui fait. Ils partent le matin, 6h15, ils partent dans la forêt faire quelque chose ensemble. Ils reviennent le soir, ensemble. Chez les Ankavés. Une maison Barouilla doit être construite entre le lever et le coucher du soleil. Et plein de gens travaillent ensemble. Chez les Ankavés, un type est sur son toit à faire sa maison tout seul pendant 5 semaines. Une fois dans la journée, il dira: Cousin, tu pourrais me passer le marteau que Pierre m'a prêté? Point final. Coopération. Les barrières, il n'y a pas de barrières sur les jardins, j'ai oublié des morceaux énormes. Il n'y a pas de rites, il y a des rites de mort chez les Barouillas, bien sûr, mais chez les Ankavés, il est fondamental, il est central, et on en reparlera, c'est plus ou moins là que tout ce groupe. Les initiations, il s'agit de fabriquer un nouvel être humain, de la même façon qu'on fabrique, un initié de la même façon qu'on fabrique un être humain, donc c'est 100% à base de sperme plus le soleil chez les Barouillas, ben 100% à base de sang féminin chez les Ankavés. Moi, je ne sais pas expliquer des différences comme ça. Mais elles sont absolument énormes, elles sont vraiment très grosses. Donc on s'est installé chez ces gens-là. Autant citer la difficulté tout de suite, notre collègue qui est Adrien Mimica, qui travaille entre les Barouillas et les Ankavés, m'avait dit « Traduis les mythes pendant 3 mois, tu parleras la langue. » J'attends encore. Donc je peux faire en mettant 3 mots du lexique, un verbe à l'infinitif qui n'existe jamais, donc les gens vont se marrer, ils savent vaguement... Mais c'est pas la peine, c'est des langues absolument infernales. Alors les linguistes écrivent, les langues en gas sont différentes, c'est pas une excuse. Mais le Barouilla parlait comme une mitrailleuse, avec Apmoué, Apmoué, là je viens de dire homme-femme. C'est un peu dommage dans une société où le genre est absolument crucial. Non. Alors on a travaillé, pour autant le dire tout de suite, on a travaillé dans la langue, on a fait traduire, on a les interprètes, on fait une explication, j'ai le dictionnaire Barouilla, le dictionnaire Ankavé avec lequel je travaille sans cesse. Mais la conversation, on sait de quoi parler. On parle pidgin couramment, mais pour Pascal, c'était compliqué, parce que quand elle est arrivée, aucune femme parlait pidgin. Il y avait juste une dame d'un groupe d'à côté qui, justement, par coup de peau, parlait pidgin, sans quoi elle aurait eu du mal à, on aurait eu du mal à travailler, ou alors elle est bien meilleure que moi dans la langue. Et elle serait devenue meilleure que nous dans la langue. Alors évidemment, quand on traduit un mythe, ben c'est sûr, Ama, wo, cet homme, t'es là, Angina, hier, c'est sûr, là, en traduisant. Dans la conversation, c'est absolument infernal. On sait au moins de quoi parlent les gens. C'est très dommage, mais à part Yadran Mimica, personne ne parle une langue anga, des ethnologues ont travaillé chez eux. Quand on traduisait les films de Godelier avec le missionnaire linguiste et sa femme, enfin sa femme n'était pas là, mais lui était là, Dick Lloyd, 41 ans de présence, alors en 79, il n'avait que 18 ans de présence, et il disait, je ne traduis pas s'il n'y a pas 5 Barouillas dans la pièce. Bon, c'est un peu compliqué, c'est comme ça, ça aurait été mieux. Pour le rituel sur lequel je travaille depuis 6, 7 ans, 8 ans, maintenant presque, 6 ans, 7 ans, s'il y avait un langage secret du rituel, Dick Lloyd nous l'aurait dit. Hein, donc je ne pense pas que ça se passe par là. C'est une dimension qui manque à mon travail, c'est une certitude absolue. On a des traductions qui sont en anglais, mais je vais en parler tout à l'heure des initiations de langue. Il vient déjà d'arriver chez les Ankavés, c'est très bien.